Bonsoir donc et bienvenue pour cette dernière partie du test de Super Mario Sunshine en présence de Cyril. Bonsoir, c'est toujours moi. Oui, c'est encore toi-même. Et je trouve que ça Oh, fait un peu beaucoup quand même, non? t'es sûr? ouais, je crois. Donc on va reprendre, donc on reprend encore une fois sur le dernier niveau pour faire une petite intro et comme ça nous évite de devoir faire une sorte de cutscene entre guillemets. Enfin voilà, je me comprends. Comme ça fait genre on sait où est-ce qu'on en était, on n'a pas C'est cherché pendant ça. une heure. Donc 32 soleils, voilà. Donc toujours un tas dont on ne sait pas l'origine, dont on ne sait pas les submissions, etc. Donc voilà. Donc on va se relancer donc Ah, sur un Tom nouveau Bruce. monde. Ouais, sur un nouveau monde de la plage Sirena. Voilà, donc on s'est arrêté à la plage Sirena à 32 soleils. Ouais, exact. Il venait de faire un monde particulièrement embêtant dû à sa répétition, à devoir élucider un tableau Ouais, jamais exactement. dans le bon sens. Et quand on visait un petit peu trop en haut, avec pas assez de puissance, ça tournait pas la bonne pièce, enfin voilà, c'était assez galère. Assez. Et donc là, il en est au cinquième niveau, je crois qu'il va affronter le boss du niveau. Le boubou, le gros Le machin. gros bout, voilà. J'ai mis du temps à comprendre comment est-ce qu'on le battait. Ah ouais? Oh là là. C'est vrai qu'en plus, Bah. c'est encore pas expliqué, hein. Alors Ouais, là, c'était pas. C'est ouais, bah, facile très. ça par contre. Non, non, mais il a sauté Ouais. sur les ennemis et juste avant d'arriver sur le truc violet, paf, il a fait son R et ça lui a fait l'activer directement, quoi. Au lieu de re-sauter, quoi. Il est obligé d'attendre. Ouais, t'as vu, il était même pas dessus et puis ça a marché quand même. Donc là, il a pas besoin de faire pareil sur les trois. Et donc là, il manipule la roulette pour faire en sorte d'avoir les fruits, quoi. Ah, ok. Ouh, ah oui, il l'enchaîne là. Ouais. Moi, Là, j'ai il mis vient du de. temps en fait au début comme un idiot. Moi, j'étais là en train de. Ouais, bah non, tu vois, il peut pas manipuler ça. Si, si, il le manipule pour avoir les fruits, tout le temps. Enfin, Non? quand il peut, quoi. Parce que c'est pas tout le temps faisable, mais il va essayer de faire en sorte d'avoir la première fois directement les fruits, quoi. Ah, puis, ah, il l'a déjà une deuxième, ouais. Moi, Voilà. justement, moi, j'étais en train de taper comme un idiot. Donc, j'ai envoyé le fruit. J'avais mis du temps à déjà comprendre qu'il fallait lui envoyer ça. Et ensuite, moi, comme Ouais. idiot, je dis, eh ben non, maintenant, il est faible aux autres fruits. Ouais. Et ben non. Non, ça Ouais. leur faisait, ça le soignait. Oh! Ah, c'est stylé ce qu'il vient de faire là. Joli. Allez, il va se prendre des Et petites donc là. créatures. What? Je crois qu'il l'a tué là. Non, 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 il a. Je crois qu'il a fait glitch le. Parce que c'était quoi ça? C'était les créatures? Ouais. Du coup, bah, il les a tuées en un coup parce qu'elles venaient d'apparaître, Oh quoi. là, le gars qui les a sur lui, quoi. C'est ça, bah, c'est normal, hein. Écoute, hein, il savait très bien que le fruit arriverait ici, et du coup, bah, il l'a directement chopé là, quoi. Et donc, Là, bah, hop. il savait également que le soleil arriverait ici, donc, forcément. J'ai mis 20 minutes à battre le boss. Ouais, mais en plus, il est long, parce que quand tu sais pas, enfin, Bah ouais. il faut remarquer que le piment, il est en deux, il y en a que deux, quoi, dans les fruits, ce qui est normal, quoi. Il faut vraiment le C'est remarquer, quand quoi. j'ai que je lui ai envoyé déjà. Mais surtout, il y avait plein de bugs, quoi. Je lui ai envoyé dessus, envoyé très bien la vidéo que ça lui allait dessus et ça lui faisait rien. Ouais, mais c'est assez traître parce que la hitbox de ce boss doit pas être génialement faite, quoi. Ouais. Ah, j'ai pas encore fait ce Attends, monde dans les. j'aime J'ai pas bien encore parce fait que ce monde. ce monde est chiant, il faut nettoyer la ville et puis s'il te Bon, je reste pense sur un petit que. peu de zone, enfin s'il te reste un petit Ah, peu ouais, de je me zone rappelle avoir sale. fait quand j'étais jeune. Hein. Quand j'étais jeune, genre t'es vieux, quoi. Ouais, 18 ans. C'est vieux. Ouais, bah, par contre ça se fait très bien comme ça, hein. Comme il fait, ça se fait très bien. Hein. Non, bah, Bon, non. après par contre t'as plus de flotte, hein. Parce que ça bouffe un max de flotte, Oui, mais bon, ce... il y a des fontaines, donc ça va. C'est ça, il y a de la flotte un peu partout, donc du coup ça se fait bien, mais bon. Mais ils sont avec leur pauvre balai là. C'est pas moi, c'est moi où le temps est complètement buggé là. ouais, oh, j'avoue. C'est trop bizarre. What? Ouais, bah, il a fait ça super vite en fait. Il a fait ça en 0 seconde. C'est un peu ce qui vient d'être dit dans la vidéo, mais bon, il a fait ça quoi, en 20 secondes. De toute façon, il aurait pas eu besoin des 3 minutes, quoi, Ouais. donc. Ouais, Mais je faudra que pense je que pense à c'est. faire comme ça. Je sais pas pourquoi comment ça se fait qu'il a réussi à glitch le temps, parce que bon, bah. Comme il n'y a pas de submission, on peut pas savoir comment il a fait, quoi. Et vu qu'on comprend rien à ce qui est écrit aussi. C'est un peu ça, ouais, c'est un peu le truc. Est-ce que t'entends le téléphone derrière, là?
Absolument pas, non. Pas bien, bah, parce qu'il y a un téléphone qui... Il y a un téléphone qui est en train de sonner, mais bon, comme je suis en vidéo, je peux pas. Osef. C'est un les peu sondages ça, ouais. À la poubelle. Non, mais on n'a pas trop de sondages, mais bon, je pense que c'est mes J'en parents. J'en ai eu un ce matin, moi. Est-ce que c'est des amateurs de vin? Dégage. Ah bah, anti-Mario, tiens. Le pire des anti-Mario, quoi. Et bah lui... Ah bon? On n'a pas la pression comme ça. Ah bah, perso, moi, je trouve que c'est le pire des anti-Mario. Et de dos, oui. Yeah. Et que tu continues à tirer. Ouais, mais c'est ça, quoi, c'est... Et t'as vu, il est directement dans la vie, il était rapide en plus. Ouais, exactement, bah tu sais. Hein. Alors là, je pense que ça va être la Benoki, ça va être marrant. Ah oui, la Benoki. The Ben. T'as vu, il a fait comme moi, comme je t'ai montré t'as dans la vidéo. Marbeille. Sympa le nom anglais. Ouais, bah, Marbeille. Marbeille. Encore une Clustorn. Alors là, il va faire très vite, je crois. Hein. Bah, je pense bien. Ouh, joli. Oh joli. Ah, l'horreur, toi. Le mec... Oh, l'horreur. Hein. C'est insultant pour tout le monde. Je crois que c'est le pire viol de tous les temps. Oh, what the fuck. Tu t'es fait de ma gueule. Ah, mais vraiment, il s'amuse, toi. Tiens, il fait pas le bug comme... Le même bug que la dernière fois. Bah, il peut pas parce que là c'est pas un niveau secret celui-là. Ah oui, c'est vrai, faut. D'ailleurs, toi t'avais réussi, hein, j'avais vu, t'avais réussi à faire le même bug. Ouais, à... ouais, j'ai réussi avec trop de la chance, mais j'ai réussi à refaire. Comme quoi c'est faisable, hein. C'est vraiment faisable de faire tout ce qui est visible dans la vidéo. Hein. Et mais très difficilement. J'ai eu trop du cul, quoi, faut le dire. Le mec, j'ai fait comme lui, je me suis fait. Bon, allez. Je cours, je saute. Je fais un plongeon, je suis tombé dans le niveau comme par magie, quoi. C'était vraiment magique. En même temps, pendant qu'en fait, lui, en fait, il se baissait, il a refermé le capot, et puis il était passé entre les deux, quoi. Ouais, c'est ça, exactement, quoi. Sans prendre de tech damage, etc. Ouais. Du coup, là, le niveau, il a été rush. C'était complètement épique. Et là, même là, à ce niveau-là, il a été rush tellement rapidement, on a même pas eu le temps de voir ce qui s'était passé. Donc, c'est un des seuls niveaux, peut-être, où il n'y a pas de tuyau ou de. Il va vraiment s'embêter à faire le boss aussi. Non, je crois qu'il va. Là, il va glitch la zone. Mm-hmm. Je crois que tu vas voir, il va vraiment glitch la zone. Il va arriver dans la zone du soleil caché en dessous de Mega Blux pollueur là. Et... Ah, je me rappelle. Et donc là, du coup, comme les plateformes sont revenues, parce qu'en fait, dans le premier niveau, les plateformes sont. Les plateformes elles sont cachées par. Toi, t'avais pas arrêté de les prendre, moi j'en avais débloqué aucune quand j'avais fait ce niveau là. Ouais. Bah attends, je crois que c'est là, regarde. Voilà. What? Non mais regarde, le pire c'est ça quoi. comment on glitch un niveau totalement? Parce que là normalement il avait, là il est arrivé, ça c'est le cinquième soleil je crois du niveau. 5 ou 6ème moi au moins. Ça doit être le 5 ou 6ème soleil, du coup ça va débloquer le soleil suivant quoi. Donc du coup ça va débloquer je crois anti-Mario. Est-ce que ça débloque aussi tous ceux qu'il y a avant? Oui, ça les débloque tous. Belle... Ah non. Ah non, en fait c'était Mega Bloops pollueur apparemment du coup. Ah ok. Et du coup, il a pas affronté le boss quoi. Ah, peut-être que c'est où il va glitch. Ah non. En fait, il a glitch le boss. Il a glitch le boss. Ah, okay, pour pas la. Bon. De toute façon, à la vitesse viva, il l'aurait fait facilement. Hein. Ouais, c'est ça, mais bon, ça lui évite d'avoir à attendre qu'il se relève, etc. Enfin, ah, il va vraiment les faire. Deux phases du boss quoi. Ah là, par contre, il va le dire. Ah, ce monde. Ah, oh, il était frustrant. Ah ouais, bah. C'est inguidable ce truc. Même moi, quand tu m'as vu le faire, sauf pour lui. Ouais, c'est vraiment ça. Faut vraiment être coréen pour guider ça. Ouais, en plus lui bah évidemment il va se diriger de telle sorte à éviter déjà tous les monstres qui vont vous choper et vous faire perdre trop de points de vie. En plus il gère complètement quoi. En plus il est trop rapide, mais c'est comme ça qu'il fallait faire, hein. Fallait faire des petits coups comme ça pour aller plus vite. Hein. Ouais mais en plus c'est vrai que là c'est simple, si on avait un peu, si on savait à peu près où étaient les pièces, on n'aurait même pas vu la pièce quoi. Sans savoir à peu près où c'était, c'était plus ou moins ça qu'il fallait faire. Et dans ce niveau, en fait, quand vous trouviez en fait ici, il y avait une sorte de bouquin qui se trouvait en fait. Oh là, le espèce de glitch, t'as l'impression qu'il est passé à travers le. Il y avait un espèce de bouquin planqué dans cette structure là qu'on vient de voir disparaître. Ah bon? Ouais, il y avait un bouquin qui apparaissait en fait. Si tu manipulais bien la caméra, tu pouvais voir un bouquin dans la structure. Mais qu'est-ce qu'il fout là ce bouquin? Bah aussi, tu te dis, mais qu'est-ce que Mario fout dans un bocal avec plein de poissons et des runes dedans? déjà ce que ça rappelle, bah, c'est un peu le monde secret dans Mario 64 où tu sais il y a le monde avec la flotte là.
où il faut 3 soleils, je crois, pour y arriver. Oh bah direct, lui, il saute dessus. La soleils. À sauter, quoi, je te saute dessus. Et donc du coup, bah là, forcément... Ah, t'avais fait un truc du genre, toi aussi. Ouais, on peut faire comme ça, ok. Ouais, tu peux juste te ramener là, comme ça, et peut-être ça suffit. Tiens, je suis curieux de savoir combien de temps il va le faire, celui-là. Ah bah, il va même pas lui laisser le temps de refermer la bouche, je crois. Lol. De ce que je me souviens, de ce que j'ai vu, il va pas lui laisser le temps. Il va même pas récupérer de pièces, je crois. Pour récupérer sa vie, quoi. Pas besoin. Non, pas besoin. Moi, récupérer des pièces, mais vous m'avez pris pour qui? Mais non, de toute façon, il arrose les bulles, et certaines bulles, ça devient des bulles d'oxygène, donc... Ouais, bah ça redonne toute la vie, en plus. Hein. Tout l'oxygène, ouais. Mm-mm. Quoi? Hop. Et ah paf. Ouais. Si, si, voilà. Regarde. Hop, et du... Donc là, il se met sur un pixel, en fait. Et il va, en fait, les faire 3 par 3. Quasiment. Donc là, il se prend un petit damage... un petit damage de collision, on va dire. Et donc là, il va refaire pareil, en fait. Là, en fait, il se met là, en fait, bah, uniquement pour pouvoir... avec le recul... enfin, avec le tourbillon, ça va envoyer la flotte quand même sur les... Après tourbillol. Donc du coup, là, il est à l'intérieur, hein, là, il est encore continuellement en train de tomber, là. Hein, j'ai jamais su que ça faisait sans tomber tout en bas. Bah, en fait, tu te fais bouffer et il te recrache, quoi. T'es pas bon, quoi, t'es pas... Waouh. Et oui, à la dernière seconde, quoi. T'es pas comestible, hein. Marion n'est pas comestible. Non. Mais en fait, s'il fait ça, s'il fait en sorte de faire comme s'il allait se faire bouffer, c'est parce que sinon, il redescend, en fait. Il redescend dans la flotte. Mmh. Et du coup, bah, ça lui fait perdre du temps, quoi. Enfin, moi, c'est ce que je me souviens. Hein. Ouais, c'est pas qu'on ne lave pas les dents. Eh ben, c'est vite résumé, hein, dans la... Tiens, est-ce qu'il va faire le même glitch que moi? Parce que j'avais réussi à faire un glitch avec ce truc-là. Je sais pas si tu te souviens, mais... Tu sais, j'avais fait glitch l'apparition du... Ah ouais. Ah ouais. T'as vu, il l'a fait, ouais, il l'a fait aussi. Il s'est fait heurter, en fait, au soleil. En fait, la dent en or, en fait, la dernière dent en or qui recrache... Elle explose. Elle explose. Et en fait, quand on se prend le dommage de l'explosion, en fait, il n'y a pas la cinématique comme quoi vous voyez le soleil se déplacer sans vous, en fait. C'est complètement épique. Ça se fige pas, en fait. Mais là, on n'a même pas vu le boss mourir, en fait, parce qu'il a fait... il était dans sa bouche, carrément. Il a encore plus glitch que moi, celui-là. Moi, j'ai envie de voir le Village Penta après. Ça sera quoi, épique, moins, ça. Au moins, tu vois ce bug-là, tu vois. Ah, ça, j'ai envie de voir combien de temps il va le faire, celui-là. Mmh. Moi, j'avais complètement... je sais pas comment j'avais fait pour le faire un coup de poing qui m'avait arrivé dans la tête. Ouais, bah écoute, peut-être qu'il va faire... Je sais pas s'il va faire pareil, parce que du coup, il va encore attendre, je pense. Parce que dans la deuxième partie, donc si vous avez pas vu la deuxième partie... Ah, il a 20 secondes. Il avait laissé 19 secondes au mec, il est arrivé à 31 secondes 57, en mode... Oui, normal. Voilà, il le regarde partir. Ouais, ça, je te laisse me prendre un café. Attends, je vais me prendre un café. Ah ouais, je prends des photos en même temps, hop, tranquille. Toi, t'es arrivé à peu près à ce moment-là, toi. Ouais, j'étais arrivé. Non, mais comment c'est possible de le rattraper maintenant? Mais regarde, tu vas voir. Regarde. Ouais, c'est exactement ça que je me suis pris. Exactement ça. Ouais, du coup... Et quand là, 20 secondes plus tard, bah... Il est dépassé sur la fin, quoi. Ah, c'est épique. Totalement, quoi. Donc il y avait genre à 93 centièmes au lieu de 92. Normal. Ouais, mais c'est calculé au poil de cul près, hein, donc 40. Forcément. Même 40 soleils, hein, c'est pas mal. C'est un bon résultat. Ah, mais complètement insultant, quoi. Et dans ce niveau-là, donc il y avait un soleil que je t'avais montré hors émission. Mmh. Un soleil caché comme au niveau de ta partie 10 de ton let's play où tu dis que ah celui-là cet oiseau jaune je sais plus si je l'ai pris mais c'est un soleil. Ouais. Faudra essayer de le chercher pendant la vidéo que je le montre à mes collègues. Ouais, enfin, ouais, bah, du coup, à mes abonnés. Exactement. Mais du coup si t'as des idées de ce que tu vas faire comme niveau, tu me préviens, parce que comme ça que je te guide un petit peu dans le... Je fais ça complètement à la rage, je sais même plus quel niveau il me reste à faire en ce moment, donc... Ah non, l'horreur. LOL. Oh. Le black. Moi j'ai dû monter tout là-haut pour le faire, lui non, j'en fous. Ah, tiens, je me rappelle bien de ce niveau quand tu l'as fait, toi. Ouais. Et lui, il arrive mieux ce truc. Non, la caméra. Ah, par contre, ça, il le fait comme moi, ça, par contre.
Mais il tourne même pas la caméra, pas besoin. Oh non. Alors ça par contre, ça c'est de l'éthique de chez Epic. Il tourne même pas la caméra, les gars. Il s'en fout de tourner la caméra. Ah, il attend. Non, il va pas y aller direct quand même. Oh putain, le double wall jump quoi. Oh mais oh mon dieu quoi. Oh putain. Mais tu vois même pas ce qui se passe, c'est horrible. J'ai l'impression qu'il a une autre caméra que nous quoi. Donc voilà, donc ce que je disais, hein, tout l'assisted speedrun, c'est sur cette magnifique, extravagant, improbable... Insultant. Insultant aussi, je pense, oui, parce que moi je suis... Pour ceux qui ont galéré pour le faire, quoi. J'ai quand même fait mon premier game over sur cette partie-là, hein, je veux pas dire. Mais j'ai fait un game over là-dessus, quand même. Ouais, c'est toi qui es nul aussi. Tu fais genre, ouais, je vais faire comme un speedrun, j'ai zéro vie, non, pas grave. Bah écoute, c'est le principe. Oh ouais, j'avais aussi fait ça comme ça moi, avec un. Au Porico j'avais fait ça. Ah épique. Non mais c'est impressionnant. Ah ouais, je pense à faire ça, tiens. À prendre de l'avance sur lui quoi, c'est vrai quand même. Ouais, j'avais fait un truc comme ça moi. Et regarde le turbo bus, il est en train de ouais, c'est ce que j'ai dit la dernière fois qu'il a fait ça. Bitch. Mais en fait quand il envoie de l'eau continuellement et qu'il chape en soleil en envoyant de l'eau, du coup bah ça. Ça fait ce petit bug. Bon bah Benoki réalisé en 5 minutes. Mais exactement. Allez, ouais, hein. Maintenant... en 10 minutes quoi à peine. Oh. Même pas, 5 minutes, ouais 5 minutes. Ah tiens, c'est une bonne idée ce qu'il a fait. Ouais, oh là 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 là. Épique. En plus il va réapparaître là à chaque fois. C'est tellement le truc en fait, c'est ça pourrait être son deuxième soleil s'il le voulait quoi. Ouais non mais c'est ça quoi. Exactement. Très bon. On va bien voir, on va bien s'amuser et là on va bien voir comment il a bien de vénère le mec. Non mais je te le dis, hein, le jeu il va le finir en... Enfin pas le jeu mais la vie, enfin ce village là, il va le finir en très peu de temps. Mmh. Bah je pense bien. Il y en a combien des machins comme ça? Oh attention, un petit... Ricochet. Ricochet, oh la vache. Un pile poil dans l'eau quoi. Mais genre... Eh le dernier qui est là quoi. Qui arrive là juste là, bonjour. En mode, salut je suis là. Il évite tout juste le feu quoi. Ouais et puis il envoie juste ce qu'il faut quoi. Aussi. Alors les deux ont réalisé en 37 secondes et 2 centièmes, évidemment. À peine. Je sens qu'on va aussi bien se marrer avec Ipiantissimo qui est ici. Non, oui, bah il va encore s'amuser. Bah, de toute façon, à la fin, il va faire l'espèce de glitch pour aller plus vite sur les plateformes quand elles se rencontrent. Il va en fait. D'ailleurs, dans ton épisode 10, tu te demandais pourquoi t'allais légèrement plus vite en fait quand t'avais fait ton petit saut et t'es remonté ouais. En fait avec le saut A. En ouais, fait, c'est ça. Les plateformes en fait, quand tu les sautes comme ça, en fait, quand tu fais ce petit truc, ça va faire Mario qui va. T'as l'impression qu'il va courir à mort. Ouais. Comme s'il faisait un énorme sprint et c'est vraiment un truc super super pratique pour les speedrunners. Déjà, il va faire là, regarde. Paf, là t'as l'impression que vraiment il y a... enfin, t'as pas le temps parce qu'il saute comme un malade mais... Ah bah ouais, ah bah justement oui. Ah tiens, il était déjà au troisième, c'est mon troisième soleil lui. Ouais, il était au troisième déjà, je crois. Même. Ah bon. Je crois qu'il y avait un... Bah je crois que les soleils cachés dans ce truc là justement c'était de refaire le niveau en dessous de... Non, allez, maintenant on prend un petit café, hein. Il marche tout doucement. Allez, tout vous faire mettre. On y part, hop là. Allez, on renvoie de la flotte. Même pas, tiens, il a même eu le temps de ne pas remettre quoi. Ouais, c'est ça. Alors, regarde, et là, hop! T'as l'impression que Mario il est court. LOL! Ah, t'es finalement plus rapide que je pensais! T'as fait comment? T'as fait comment alors que t'es parti 10 secondes après moi? C'est impressionnant quand même. Les Il Chantissimo ils font pas le figure quand même. Mais je sais pas si t'as l'impression, mais son masque il me fait penser à celui de Dark Vador quand même. En gay, ouais. En gay, ouais. Je suis Kylie Vador. Je suis ton père. Je suis ton frère jumeau. Non. Maintenant version ch'ti. Je suis ton père. Et aussi ton frère. Non. Et je suis ta consanguinité même. Je suis ta mère. What? Je suis toute ta famille réunie. Alors là, ah voilà ce niveau, ce merveilleux niveau. Ah ouais. Donc, il va se prendre un sec damage en fait, pour éviter de se prendre les dommages. Pour éviter de se prendre les dommages en fait du feu, de la lave, parce qu'en fait les sec damage du feu, vous les prenez directement. Et là, donc le niveau a été réalisé en 10 secondes. Cyril l'a réalisé en
30 minutes. Voilà, voilà. Complètement 4 fois. Voilà, donc c'est le 45e soleil de la vidéo. Et là, la vidéo se termine, bah quoi, dans quoi, dans tout. Encore 3-4 niveaux encore. Oui, c'est ça. Et vous allez remarquer qu'il va même pas, enfin, c'est impressionnant. Il y a juste rien à dire sur ce niveau, quoi. Normalement, il va faire Yoshi, je crois. Il va faire le niveau avec Yoshi, je crois. C'est le niveau avec Yoshi. Il y a Yoshi là-dedans, ah bon? Ouais, il y a le niveau avec Yoshi, tu sais. Ah, tu vas t'amuser avec celui-là, c'est en bas. Ah non, c'est le gros. Ah oui, non, ça, je l'ai déjà fait celui-là. Ouais, bah c'est après, tu vois les espèces de champignons en bas là. Ouais. Bah tout au fond, en fait, il y a une espèce de plateforme avec un espèce de truc que tu détruis avec le Yoshi, avec le, l'espèce de jus du Yoshi. Là. Ouais. Et bah pour y aller, il va falloir que tu t'amuses. Hein. Bah, mais regarde la vidéo, vais bien étudier comment il fait. C'est ça. Bah là, en plus, là, déjà, donc là, il va manipuler le comportement du Womp, déjà. Bah, pour faire en sorte qu'il aille le plus près possible. Ah ouais, ok, je vois le genre. Parce qu'il va, plus vite, en fait, en y allant tout seul, si tu veux, et du coup, il va le manipuler. Donc là, il va faire, paf, 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 je te nettoie un gros coup. Voilà. Et juste au dernier moment, paf, il va choper ceci. Voilà, il va choper. Et direct, bah, hop là. Ah ouais, moi, j'avais pas mal galéré à le faire, hein. Et voilà, c'est fini. Ouais, ça se fait, hein. Mais bon, il faut vraiment savoir quand est-ce qu'il va s'éteindre, quoi. Parce que pour le choper, vous pouvez choper le truc, en fait, que s'il est refroidi, parce que sinon, il a trop de force pour vous, en fait. Enfin, je crois pas que ça te fasse, genre, éjecter ou parce que c'est trop chaud. Ah, je crois que c'est genre, ça prend juste un dégât parce que c'est aussi très chaud. Ouais, peut-être que c'est peut-être que ça te donne un dégât parce que c'est très chaud, mais... Le gars est toujours là, en train de glander avec son truc sur le dos, bon il arrive là. Bon il arrive, alors que quand on le bagui, oh non j'allais enfin faire ça. T'as eu 20 soleils pour le faire. Donc là c'est le cinquième, le The Five Story. Et là je crois que c'est le truc, ah Yoshi évidemment. Ah voilà, voilà. je l'ai pas encore fait, je vais bien étudier celui-là parce que je l'ai pas encore fait dans mes épisodes. D'ailleurs si tu fais le niveau 8 de ce monde là, il est vachement chiant. Alors là, il te demande un truc. Je le ferai, mais. Alors là, le truc qu'il te demande, il fait en sorte que ce soit le plus proche. Hein. Pareil, toujours. C'est le plus proche, je crois. Oui, non, mais ils sont toujours au même endroit, hein, si jamais, mais bon. Voilà, bah c'est le plus proche. Oui, non, mais c'est toujours le même. Ah non, bah, parce qu'il peut le balancer. Lol. C'est parce qu'il peut le balancer, du coup, donc c'est plus rapide. Il peut se déplacer après, c'est pour ça qu'il chope. Alors, comment il fait ce fou? Oui, lol. D'accord. Oh, moi, je sais que je peux sauter par là. Voilà, c'est ça, hein. Donc voilà, faut bien utiliser le... Et donc là, bah, un petit coup, on envoie Yoshi, on fait mourir Yoshi, puis on sort. Mais ça, c'est un niveau super chiant parce qu'il faut se diriger avec les mecs, avec ces personnages-là. C'est super chaud. Mmh. Regarde. C'est les mecs qui t'envoient, du coup, t'as pas le choix. Oh lol. Faut faire gaffe parce que ce petit-là, il en a pas l'air, mais alors qu'est-ce qu'il t'envoie? Qu'est-ce qu'il t'envoie loin? Et en plus, il faut faire attention parce que les mecs, ils vont t'envoyer en fonction de leur placement, donc... Oh non! Oh non! Oh non, genre! Oh putain, genre! Yeah! Et au dernier poil de pixel pour bah, pas du tout de celui-là, c'est bizarre. Et bah, ce niveau-là, si tu le fais, tu vas en chier. Parce que d'ailleurs, t'es obligé de le faire, si tu veux finir. Oui, bah, vais le faire. J'ai prévu d'avoir les 120 soleils dans mon aventure. Enfin, là, je commence à douter. l'insatiable Yoshi? Non, ça c'est bon, j'ai compris comment ça marche. C'est genre, tu vois, la petite qu'on va au loin, qu'on doit aller débloquer avec le Yoshi. Les pastèques? Non, non. Ouais, bon, ça, je veux aussi. Il y a plusieurs, je vais faire hors vidéo, ça c'est sûr. Ouais, bah tu m'étonnes, hein. Il y en a plusieurs, je les fais hors vidéo. Les soleils cachés, déjà, et certains soleils cachés, je sais. Mais le 8ème de suite, bah celui-là est super chiant déjà. Déjà, je sais même pas s'il va encore faire glitch le temps, mais je crois. Parce que tu sais, il y a eu encore du temps. Ah non, du coup, là, cette fois-ci, il ne fait pas glitch. Oh, pas besoin. Non, je sais même pas à quoi ça servait de lui faire, le faire glitcher s'il. Si le temps s'écoule pas, du coup, pour toi, ça peut être pratique quoi. Donc là, il fallait nettoyer 10 piantas. Et ces piantas-là, en fait, si vous les nettoyez une deuxième fois, en fait, ils vous donnent des pièces bleues. Et c'est super pratique. Enfin, c'est le moyen d'ailleurs de. Ouais. C'est un des moyens d'avoir les 10 pièces bleues de ce niveau-là en plus quoi. Surtout qu'il y en a 30, donc si tu auras un tiers des pièces bleues. Enfin, ils t'en donnent pas toutes. Ils te donnent pas tous des pièces bleues, mais la majorité te donne des pièces bleues, et du coup c'est... Mais déjà rien que pour les trouver, faut y aller, hein, parce qu'ils sont vachement répartis dans tous les niveaux. C'est-à-dire qu'on va refaire l'épisode, refaire la partie, ensuite ils vont nous donner des pièces bleues. Ouais, ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, première fois, je sais pas si la première fois... Ah, en plus, c'est dangereux, parce qu'il y a pas d'eau, en plus. Ouais, c'est ça, il y a pas d'eau, du tout. Donc, Ah ouais, c'est chaud. Enfin voilà, le mec, il a plus beaucoup, quoi.
C'est ça, et là il lui reste deux mecs à nettoyer et c'est fini. Mais bon, regarde, la dernière goutte d'eau presque, voilà, c'est fini. Et donc là il faut qu'il aille retourner voir le maire par contre. Ouais, bon, ça. Et donc regarde, c'est encore le moins difficile. Hein. T'as vu le temps qu'il a mis? Il a mis 1 minute 3. 1 minute 2. 1 minute 2, 62. Voilà, exactement. 1 minute 2 et 62 centièmes quoi. Donc ça fait mal. Tu te fais de mal à la gueule. Donc voilà. 48 soleils, bah il va finir le jeu avec 49 soleils. Ouais, ouais, je dirais même 50, s'il y en a pas un avec le dernier. Je sais pas si le dernier compte comme un soleil, vraiment. Mmh. Je pense pas d'ailleurs, parce que bon. Mais ce qui est bien, c'est que tu peux faire. Oula, je m'écarte un peu du micro, moi. Un peu, ouais. tu peux faire des parties plus de toute façon, donc tu t'en fous. Ouais. Je veux dire, tu peux continuer même après avoir fini le jeu, quoi. Ça sert un peu à rien, mais c'est génial. Mais en effet, je crois que ça te compte quand même un soleil, parce que du coup, ça fait sauvegarder à la fin, je crois. Donc, je pense que ça te considère quand même un soleil le dernier. Hein, c'est, vrai que... c'est un gros. Après, tu y retournes, c'est genre, c'est pour terminer tes vacances, quoi. Ça. Bah, de toute façon, oh là 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 là. Oui, mais je me barre à perpète et je reviens. Et voilà, on refait glitch encore. Je te regarde vraiment... pas, au revoir. il a fait les 8 directions cardinales. Cardinal. Et une direction cardinale. Ah, il y a un truc, j'ai pas bien compris. Tom, on le voit ici, tranquille. Voilà, il va dire bonjour. Et puis là, quand on sort, on se rend compte que le village est inondé. Oui, le village est inondé, regarde, il est inondé. Hein. Ouais, mais que. Ça arrive seulement à ce moment-là ou c'est un. Ouais, un plantage. Ça arrive qu'à ce moment-là en fait. Hein. C'est pour t'empêcher d'y accéder facilement en fait, via les égouts. Parce que les égouts, si tu remarques bien, regarde, il y a une bouche d'égout qui est juste là en fait. Ouais. Donc pour ça, ça t'évite. Il attend même pas qu'il rentre. Alors ce niveau est le plus dur et le dernier niveau du jeu. Bah c'est censé être ça, ouais. Perso, les pics là, vous voyez les pics là qui apparaissent là? Ces trucs là vous one shot. Ils vous one shot, c'est à dire qu'en fait ils vous donnent tellement de dommages consécutifs que vous n'avez pas le temps de faire quoi que ce soit en fait. Vous n'avez pas le temps de vous barrer. Oh genre il bute l'ennemi en... Ouais, j'ai pas bien compris là, ce qu'il avait fait en fait. Bah il a fait renvoyer l'ennemi en fait en le touchant avec sa flotte. Oh là 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 là, mais en théorie, ce passage là c'est super chaud. Et là, ça c'est le passage le plus dur du jeu qui va bloquer un nombre de pièces bleues quoi. Ouais, mais regarde, c'est horrible. C'est le Schumacher. C'est ce que je faisais moi, en général j'arrivais ici et puis j'allais avec. Bah tu sais, j'essayais de choper le. Enfin, je gardais mon truc et en fait j'y allais un par un, j'ai chopé une par une les pièces. Ouais, j'avais vu quelqu'un qui avait fait ça, ouais. Et donc là, en fait, tu meurs, puis tu arrives au niveau au début, puis tu refais ça à chaque fois pour les trois pièces bleues qu'il y a dans le coin, je crois. Donc ça, c'est le dernier niveau, voilà. Donc là, en fait, vous avez la petite animation avec Bowser, on vous la laisse. En train de faire une... De toute façon, il n'y a plus de son, donc, Osef. Et donc là, c'est Peach qui est en train de faire... Ils sont en train de faire une petite baignade dans une eau que je ne saurais identifier. Ta-ta-ta-ta-ta. L'arrivée du héros. Exactement. Alors Peach sur un gros canard, hein, ça fait... Oh. Et voilà, ils ont des sushis. Bowser, je sais pas si t'as remarqué, mais Bowser est toujours d'une taille différente. C'est impressionnant. Et là, donc il faut en fait détruire les... Bim. Alors ça va être... LOL. Il va vraiment le... Il va même pas laisser le temps à Bowser de faire ses attaques. Et tu vois, il est vraiment... Ouais, il enchaîne quoi, il est toujours à la fin en faisant la même chose en plus. C'est ça, en gros, il a fait une fois la séquence et il a laissé en fait, faut que Mario en fait ait une assez haute, enfin, faut que Mario en fait il fasse son cul, qu'il fasse comme s'il était à la stratosphère quoi. Donc, vous voyez le dernier soleil là. Ouais, gros machin. le truc que j'ai adoré, c'est là quand il tombe là. This is boring! Et puis là, Peach qui est en mode... Ah, je m'ennuie, bordel. Je m'emmerde. C'est trop ça. Et donc, vous allez voir la petite cinématique de fin que je vous laisserai bien apprécier, quand même. Apprécier? On a déjà apprécié 1h30 de vidéo. Bah, si toi tu l'as apprécié, c'est bien, mais je sais pas si les mecs qui regardent, qui t'écoutent, en tout cas, apprécient avec toi, quoi. Oui, t'en prends pour ton grade, je sais. Ouais, c'est pas gentil. Il est en train de tousser. I'm lost.
je suis mort, Mario. En gros, je crois qu'il dit ravi d'avoir été parce qu'on n'a pas, on a plus le son. J'espère merci, que j'ai pu. Mario. Il dit j'espère que j'ai pu t'être utile. Il dit non, j'espère t'as que j'ai pu utile, connard. Et là, c'était Mario, look. Regarde, un soleil. Et il est beau le soleil. Quand même. regardez, c'est la puissance de Mario. I'm Famalizer. Et ça, ce qu'on va voir là, c'est l'image qu'on voit au début de, enfin, à l'intro, tu sais. Mm-hmm. Tous les pions, yeah. tous les mecs qui dansent comme ça en mode oui, la paix est revenue. Donc 50 soleils pour finir le jeu, c'est le minimum requis par le jeu. Donc c'est sympa. En comptant les glitches. Oui, en comptant les glitches. Mais finalement, il n'y a pas tant de glitches de jeu. Enfin, je veux dire. Et là, c'est ça me fait marrer. Ça. Il lui annonce que Peach n'est pas sa mère. Oui, j'avais deviné. Ah bon, comment? Tu te fous de ma gueule. Et il fait one day, I will beat this Mario again. Ah non, I will fight, je crois. Un jour, je le violerai. I will fight that Mario again. J'adore la voix. Yeah. J'adore la voix de Bébé Junior. Je préfère la voix des P.O.s de Minecraft, de Warcraft. Alors, je sais pas, je connais pas. Travailler. Et donc voilà, c'est. D'ailleurs, je crois que les derniers mots du jeu, je crois, c'est the vacation start now. En gros, les vacances commencent maintenant. Vont l'enterrer. Ah non, il a survécu. Ouais. Et voilà, normalement, il vient de dire the vacation start now. Et donc voilà, donc. Un merveilleux test donc qui s'est terminé au moment où il a en fait appuyé sur le dernier bouton qu'il a appuyé en fait c'était le bouton R. Voilà c'est le bouton R quand il a enfoncé en fait le dernier pilon enfin le je sais pas le pilier je sais pas trop comment l'appeler plateforme, quoi. Ouais. Voilà la dernière plateforme la dernière étoile quoi. La dernière branche de l'étoile parce que là il a plus besoin du tout d'appuyer sur start enfin sur quoi que ce soit il va pas s'embêter à le faire. Bah, et voilà, là elle est comme vraiment leurs vacances en fait. Voilà, et donc là on voit tous les niveaux en fait dans lesquels Mario a été. Et on voit Peach qui a chopé un poisson de 45 km de haut. Le poisson qui est plus grand qu'elle-même. Le papy. Crise cardiaque. L'endroit n'a pas jamais appelé, c'est tellement frustrant de ne pas pouvoir aller là-dedans. Ouais, c'est vrai que c'est dommage parce que c'est le niveau où c'est la fête foraine mais tu peux faire aucune attraction quoi. Sauf le premier niveau avec Mecha Bowser qui est pas vraiment une attraction. C'est plutôt un emmerdement. D'ailleurs, attends mais j'ai... Ah non, il a fait tous les niveaux. Le dernier niveau du parc Pina en fait, enfin tous les derniers niveaux en fait de tous les mondes, c'est vraiment un peu plus de la déconnade plutôt qu'autre chose parce qu'il savait qu'il n'avait pas besoin de faire les derniers niveaux. C'est vachement dur de finalement finir tout, enfin les 100 ans soleil, enfin même les classiques. Tu vois, quand t'as besoin de 5 ans pour finir le jeu et qu'il y en a encore 70 que tu peux avoir. 70, hein, 70 pour ceux qui ne comprendraient pas le Suisse. non, parce que je préfère. Alors, enfin, t'es en train de faire une tête de jouissance. Ah, village Planta. Et voilà, yeah. Donc. C'est sympa, les photos coquines aussi de leur voyage. Bah, c'est des voyages de noces, donc tu sais, hein, on sait jamais ce qui peut arriver. Voyage de noces depuis quand? Et on voit il piantissimo. C'est quoi ce truc?